Voici Xtra au pouvoir détachant amélioré. Il lave tout votre linge encore plus en profondeur. Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire. Alors, nous avons proposé à toutes les femmes du village de Saint-Janet d'essayer... Grâce à son cadre prestigieux, la Côte d'Azur a toujours été privilégiée pour le tournage de spots publicitaires. Saint-Janet n'a pas échappé à la règle. La société vedette avait choisi notre pittoresque lavoir pour y filmer la mère Denis, vantant les mérites de la marque. Récemment, une firme automobile japonaise a choisi la place de l'église pour y tourner un spot publicitaire à l'intention des pays anglo-saxons. C'est une très bonne initiative qui lave très bien. Il a suffi de mettre le bleu dans la machine pour que les taches s'en aillent. Je reprendrai Xtra parce que c'est très bon, surtout les couleurs qui ne bougent pas. Lave en profondeur, sans abîmer. J'étais agréablement surprise. J'ai essayé Xtra et je dois dire que j'en changerai pas. Et s'il y avait quelque chose qui n'irait pas, je vous le dirai, hein. Ah, je me gênerai pas, hein. Moi, j'aime bien. Après, chacun il a son idée. Hein. C'est non. Pas pour faire de la réclame. Xtra est très bien. Oubliez, les taches partent tout à fait. Le beurre, les œufs, tout part. Mon linge est resté souple, clair. Je suis très contente. Le boulanger, il a tout sali, son tablier. Et voilà, j'ai ressorti impeccable. C'est un torchon que j'ai lavé avec Xtra. Il est très blanc. Il est très souple. Et en même temps, il sent bon. Xtra, c'est efficace. Je vous prête la salopette. Vous la mettez dans la machine, vous essayez Xtra et vous verrez. Le groupe Henkel avait même choisi notre village comme support de campagne en 1978 pour sa lessive Xtra. Souvenez-vous. Les serviettes de table tachées de vin, du couleur, eh bien ça reste très net. Écoutez, monsieur, je les ai sorties comme quand ils étaient neufs. Blancs, impeccables, sans tache. Je suis poissonnière, monsieur, à Saint-Janet depuis 22 ans. Voyons, ça salit beaucoup. Noir d'encorné, rouge, c'est-à-dire sans de ton quelquefois, ou de cabillaud ou autre. Mais le noir d'encorné, c'est une chose terrible. D'ailleurs, on fait de l'encre avec. Eh bien, monsieur, je me suis servi d'Xtra et le résultat a été sensationnel. Écoutez, en principe, quand on est content de quelque chose, c'est comme dans tout, hein. Vous m'achetez un poisson, s'il vous plaît, vous revenez. J'achète une lessive, si elle me plaît, automatiquement, j'en veux pas une autre, ça. Et voici notre village, projeté sur les chaînes nationales de télévision, fixé sur la pellicule, dans son quotidien. Voici 15 ans en arrière. Que de souvenirs pour les Saint-Janois. Avec les gosses, on a beaucoup de choses. Je les ai lavés avec Xtra, j'ai fait un pré-lavage avec Xtra et un lavage et ils sont sortis très 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 propres. Ça enlève toutes les auréoles et ça laisse le blanc très très net. C'est vrai, ça je vous le dis, c'est vrai. Vous pouvez croire les femmes de Saint-Janet, Xtra lave tout votre linge en profondeur. Mais Saint-Janet étant lui-même un site privilégié qui a attiré de nombreux cinéastes. Les plus anciens se souviendront d'Adémaï, bandit d'honneur, ou encore du film de Jean Delannoy, avec des dialogues de Jean Cocteau, où Jean Marais tient la tête d'affiche en 1943, L'éternel retour. Les plus jeunes se rappellent des Bidas en folie avec les Charlots, où des scènes sont tournées sur le site des Sans-Chaînes, ou encore des Égouts du paradis, qui retrace le casse du siècle d'Albert Spadjari, tourné en partie dans les bergeries sur le Pao. La liste est longue, bien sûr, et il est difficile d'être exhaustif. Aussi, contentons-nous d'admirer notre village à travers la terrasse des Bolovins où Gary Grant incarne le rôle d'un voleur de bijoux baptisé le Chat et rencontre la magnifique Grace Kelly, qui tient le rôle d'une riche américaine dans le célèbre film d'Alfred Hitchcock, La main au collet. Voilà la police.
Non, non, mon cher ami, jamais entre les repas. Le déjeuner est servi. Merci, Germaine. Apportez votre verre à table. Allons-y. Étant donné les circonstances, croyez-vous utile cette publicité? Il ne quitte. Mais qu'est-ce qui a donc pu tant attirer les professionnels de la caméra dans notre beau village de Saint-Janet? Elle est ravissante. C'est vraiment le paradis terrestre. On aimerait y vivre toute sa vie. Est-ce le charme intime de notre campagne provençale? Est-ce le site même du village blotti contre son massif protecteur, le Baou? Est-ce sa relative proximité avec la mer, la côte d'Azur sur laquelle Saint-Janet plonge son panorama? Ses ruelles pittoresques et fraîches aux mille contrastes d'ombres et de lumières, le charme de ses habitants? Oh, c'est sans doute un peu de tout cela qui fait de Saint-Janet un village de rêves de cinéma. Mais un des films les plus caractéristiques tournés à Saint-Janet est sans doute le film de Jean-Paul Le Chanois, L'école buissonnière, qui retrace les débuts du pédagogue Freinet. Comment tu es venu à tourner? Comment je suis venu à tourner, à faire ce film? Faire ce film. Comment voilà. On est venu spécialement bon, chercher ben, toi, c'est la vedette de Saint-Janet à l'époque? Si tu veux. Bon, ben, c'est très simple. J'étais donc devant la crêperie de maintenant, et avant c'était une alimentation générale. Bon, j'avais mes parents qui tenaient cette épicerie, c'était une épicerie, et je me trouvais donc dehors, devant le magasin, disons, hein, devant l'épicerie, en train de jouer aux billes, je crois, parce qu'on jouait pas mal aux billes à ce temps-là, là, tu te souviens bien, aux billes, aux boules. Hein, alors je me trouvais là, et puis je vois que deux messieurs qui arrivent. Je les revois un peu là. Ils arrivent, moi j'étais en train donc de jouer, mais je ne m'occupais pas d'eux bien sûr, et puis ils s'approchent de moi, parce qu'ils étaient déjà là depuis un petit moment, ils nous regardaient. Bon, quelqu'un qui regarde quelqu'un, hein, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc, il y a un des deux messieurs qui arrive et qui me dit, tu habites où? Alors moi je leur dis, ben, j'habite au magasin, là, mes parents sont là, est-ce qu'on pourrait voir tes parents? Bon, moi je veux bien, mais enfin, je ne savais pas qui c'était, bien sûr. Hein. Alors je rentre avec eux, quoi. Et je lui dis, alors j'appelle maman qui était derrière le magasin, quoi, dans l'arrière-boutique, comme on l'appelle. Et donc, moi je ressors, bien entendu, continue à jouer comme tous les gosses. Je continue à jouer aux billes, bien sûr. Et donc ma mère commence à discuter. Et puis après, bon, moi je suis rentré, alors bon, on m'a un peu dit. Mais moi à l'époque, tellement petit, je comprenais, ben, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Quel était ton âge exactement? Et alors, à l'époque, donc j'avais, moi, disons, 13 ans. Je suis né en 35, donc c'était en 48 exactement qu'on a fait le tournage. Alors donc là, tout est parti, on a discuté avec mes parents, pour les contrats, pour le contrat, pour enfin beaucoup de choses. Et justement, moi, donc j'étais tout seul avec Jeannot, ma mère, à Saint-Janet, donc on était que les deux Saint-Janois, et tout le restant des enfants, et c'était donc l'école Freinet, qui était... Alors il y avait un quart à l'école qui partait de l'école Freinet, qui amenait donc tous les élèves de l'école Freinet, et ils nous prenaient souvent au passage. Et on nous ramenait le soir, surtout lorsqu'on allait dans la vallée de l'Estéron. Donc on nous ramenait nous deux, et puis voilà. Hein. Moi j'ai jamais couché à l'école Freinet, par exemple. J'y suis allé bien sûr, mais on nous a toujours ramenés, enfin où il y avait toujours un cinéaste qui nous ramenait en voiture, tu vois, donc c'était pas un gros problème. Hein. Bon, alors ça s'est déroulé comme ça, et puis bon, entre temps, moi au mois de, je crois que c'est en juillet, je suis parti en colonie de vacances avec la ville de Vence. C'était la première fois que je partais donc en colonie, et je suis allé à Saint-Martin-Vésubie, tu vois. Mais de Saint-Janet, j'étais tout seul à la colonie, quoi. Donc me voilà parti en colonie, c'est la première fois, bon. Et une semaine après, donc, je vois arriver encore des gars qui arrivent avec une lettre des parents donnant l'autorisation à la directrice de me laisser partir avec eux, donc il fallait que je tourne absolument, il fallait partir tout de suite. Donc je suis resté à la colonie 3-4 jours, c'est tout, uniquement, hein. Je ne suis resté pas plus que ça. Et puis je suis revenu à la maison, bien sûr. Et aussitôt le lendemain, on a commencé le tournage, donc
Saint-Janet, et puis après l'intérieur au studio La Victorine à Nice. Alors donc, tous les intérieurs ont été pratiquement tournés en studio, sauf dans les maisons ici où on se rend bien compte que c'est Saint-Janet, hein, c'est, on voit bien la pierre des maisons. Hein, mais enfin, beaucoup, tout ce qui a été classe a été fait en studio. Et après, on avait donc le torrent qui n'était pas la cagne, puisqu'on avait la cagne à côté, mais la cagne ne correspondait pas pour les besoins du film. Hein. La cagne, c'était un endroit assez serré, on n'avait pas la place de faire ce qu'on a fait dans la vallée de l'Estéron. Donc c'est pour ça que c'est l'Estéron qui a été choisi. Hein. Voilà, donc il y en a qui croient, au départ, ils croyaient que c'était la cagne, mais non, c'est tout à fait, c'est la vallée de l'Estéron qui est pas loin du pont Charles Robert, hein, que tout le monde connaît. C'est une belle vallée d'ailleurs, et enfin, toute la rivière a été tournée là, quoi, hein, toutes ces scènes qui ont le moulin, tout ce qu'il y a eu là. Et le gros rocher, il y a un gros rocher où Albert justement est dessus, c'est un rocher qui a été fait, qui a été construit. Hein, comme on fait les choses avec du grillage, comme tu fais un plafond hein, de maçonnerie à l'époque. On avait fait un grand rocher, on passait derrière, il était vide bien sûr, et on voyait tout le tour. Donc là, il n'y avait pas le rocher, il fallait le faire. Donc le rocher a été fait. Hein, donc, alors ça, c'est la rivière. Voilà, c'est comme ça que j'ai été pris pour ce film-là. Et puis après, bon, on a commencé le tournage et tout. Alors donc, moi j'avais un rôle, je m'appelais Modeste. Et j'avais un père et une mère, un père et une sœur, parce que j'avais là, à l'époque, la mère n'était pas là. Bon, je ne me rappelle pas si elle existait ou pas, mais je ne crois pas. Hein. Donc c'est monsieur Sicard, le monsieur à casquette que vous verrez dans le film, bien entendu, qui ne voulait pas que j'aille à l'école. Alors, dans le cours du film, on suit très bien la fameuse histoire, hein, et moi j'étais puni, disons. Alors, moi qui voulais aller bien à l'école, je ne pouvais pas y aller. Et puis dans le fond, c'était le contraire, hein, parce que moi j'aimais bien faire l'école buissonnière, disons. Je l'ai faite volontairement, pas volontairement, enfin on me l'a fait faire si on veut. Moi j'étais bien content de la faire. Dans le fond, je la faisais à ma façon, l'école buissonnière, puisque je n'allais pas à l'école. Moi j'étais bien content à l'époque. Et elle disait toujours à mes parents, mais ce petit, il a le certificat d'études de l'année prochaine. J'étais un peu dans le cas d'Albert d'ailleurs. Hein. D'Albert, moi c'était l'année après. Et forcément, je manquais. Et bon, j'avais toujours des problèmes parce que le jour du certificat d'études, bon, ben, il m'arrivait. J'étais toujours coincé et puis il n'y avait rien qui passait. Dans l'année ça allait bien, puis ces jours-là ça n'allait plus. Voilà, alors donc, à l'école, j'ai loupé pas mal de jours. C'était surtout parce qu'en septembre, on n'avait pas fini la rentrée, parce que le film a duré quand même. Il n'a pas été fait en une semaine, il y a eu des coupures, enfin, hein, tu vois, ça s'est échelonné. Donc, j'ai manqué des journées d'école, moi, il n'y a pas de problème. Bon, mais moi, j'étais bien content, bien sûr, comme tous les gamins. Et puis, disons que ça me plaisait, quoi. Hein, j'avais pris goût à tout ça. Bon, je voudrais quand même ajouter quelque chose de tous les anciens Saint-Jeannois que l'on aperçoit dans ce film, qui malheureusement ont disparu, bon, en dehors de deux ou trois qui restent vivants. Mais par exemple, au long du film, on voit Madame Plutineau, bon, qui a été connue de tout le monde. Oui. Elle a été donc, commerçante au village. Ouais. Bon, des vieilles mémées comme Madame Budelli, Claudine Martel. Qui est la mère de Charles Martel, notre ami Charles Martel, Constance Malamère, Martial Isser. Bon, on voit alors quelque chose qui est très beau à Saint-Janet, qui était très beau et qui a disparu, c'est les fruitiers de Monsieur Maurice Gasteau. Monsieur Maurice Gasteau, voilà. Où il conservait son raisin tardif que l'on appelait du servant, qui était spécifique à Saint-Janet, qui était ramassé fin de l'année, courant novembre, et qui était conservé dans ces fameux fruitiers jusqu'à Pâques, où il est commercialisé. Et à l'époque, ce qui était déjà très beau, c'est que c'était expédié en Suisse, en Allemagne, bon, à Paris évidemment, où, à une époque de l'année où il n'arrivait pas de raisin de l'extérieur ou quoi. C'était quand même quelque chose de très joli pour l'époque. Et c'était le seul fruitier à Saint-Janet. C'était disons que quelques petits producteurs faisaient ça, mais au village, bon, c'était le seul. Lui, c'était déjà quand même là, je dirais, la petite industrie, ouais, là, où il avait du personnel. Et comme on le voit très bien dans les films, ses grappes étaient conservées dans des petites gouttières d'eau avec du charbon de bois. Et tout au long des mois, il y avait tout un travail à faire où il fallait couper le sarment pour que la grappe reprenne donc de l'humidité et soit conservée et triée au fur et à mesure. Enfin, c'était un travail artisanal
magnifique, je pense. Ah, c'était du beau travail à l'époque. Maintenant, bon, le raisin, tu n'en trouves plus, bien sûr. C'était très beau. J'en ai malheureusement... Bon, qui tu as oublié ou tu as vaguement parlé, qu'on voit encore très bien à tes côtés en classe, c'est Jeannot Malamère. Jeannot qui était en début de file, quoi. Moi, j'étais un peu dans le con. Voilà. Mais c'est-à-dire, moi, j'étais déjà dans les plus petits. D'après, enfin, dans la classification, il y avait les grands et les petits. Donc, moi, j'étais plutôt dans les petits. Jeannot Malamère, que l'on aperçoit très bien. Bon, alors, au moment du certificat d'études, c'est là que l'on voit quand même quelques vieux Saint-Jeannois, dont Pierre Malamère, le père de Jeannot et de René, que l'on connaît très bien, qui a la petite mercerie à Saint-Jeannet, que tout le monde connaît. Une tante, Constance Malamère, notre vedette de Saint-Jeannet qui est toujours vivant, Adrien Caboufig. oui, là, c'est vrai. Ça, c'est l'artiste. Ben là, il aurait eu un beau rôle, lui, dans le film, je crois que, et avec sa façon de... Enfin, on voit des... Sa façon de parler et puis sa facilité. Des personnes qui étaient très, très connues et très aimées des Saint-Jeannois, Joseph Cianelli, notre ancien facteur, qui a été quand même un personnage à Saint-Jeannet. Et qui est resté longtemps, d'ailleurs. Qui est resté... Et que moi, j'ai eu l'occasion de le remplacer pendant ces congés. Voilà. Moi, je suis devenu facteur, finalement. C'était plus acteur, c'était facteur. C'était à l'époque le vrai... Je dirais le vrai facteur du village. Oui, bien sûr. Et quand on dit le vrai, il y aurait beaucoup à dire. Ah oui, oh là là. On aperçoit M. Cassegrain, on aperçoit M. Tonin Bottini, Nénette Revelli, on voit, bon, j'en oublie sûrement tout au long du film. Je me souviens, là, pour ce passage-là, j'ai donc le metteur en scène, c'était Jean-Paul Le Chanois, qui me dit, bon, écoute, Modeste, il faut que tu essayes de pleurer un peu ou d'être très triste. Il ne faut pas que tu sois souriant, parce que naturellement, les gosses, on a toujours tendance à rigoler, à faire les fous. Hein, d'ailleurs, ça a toujours été. Et il m'a dit, il faut que tu essayes. Bon, on a répété les scènes plusieurs fois. Il fallait que je prenne un air triste et vraiment rentrer dans le sujet, quoi. Bon, je m'en rappelle toujours parce que c'est resté, quoi. C'est des souvenirs qui ne s'effacent pas et que les années peuvent passer, donc on est toujours dans le coup. Je revois ça comme au temps où j'avais mes 13 ans, exactement pareil, quoi. Alors ça, c'était encore une belle scène, mais alors ce coup de dire « il faut que tu essayes de pleurer », ça m'a été dur au départ, et puis bon, il fallait que je sois vraiment triste. Il fallait... Ah, c'est des trucs qui s'apprennent, bien sûr, on n'arrive pas du premier coup à faire ça. Parce que les gamins, on n'arrive pas du premier coup à leur dire « bon, mais c'est bon, voilà ». Et chaque fois que je vois ce film, j'ai, disons, je pourrais dire un pincement au cœur quand même, parce que ça me rappelle tellement de trucs. Et puis à cet âge-là, on n'oublie pas, et ça reste. Voilà.